Du coup, là on arrive à la dernière vidéo, la dernière de l'année, celle où je vais aborder 2018 sur l'aspect YouTube et sur l'aspect vie réelle du monde véritable. Parce que j'aimerais qu'il m'arrive plein de choses et j'aimerais faire plein de choses pour YouTube et pour la chaîne. Ouais, bon, on va aborder ça tout de suite d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai toujours les notes. Je suis obligé d'avoir des notes parce que sinon je ne me souviens de rien. Et je peux pas le poser derrière vu que là je suis à au moins 2 mètres de la caméra. Alors, ce que j'aimerais bien qu'il arrive, non, ce qui va arriver tout court, en 2018 déjà, la fin de Shadows of Under Tide, l'extension de Neverwinter Nights, ça c'est sûr, ce sera terminé. Pour ce qui est de Hordes of Under Dark, si je me bouge bien, ce sera une extension qui sera aussi faite cette année-là. Si ce n'est que le maximum level est à 40 au lieu de 20. Donc, soit c'est torché. Au bout de une dizaine de sessions, une dizaine d'heures, soit bah, il y en a comme le scénario principal, ça dure au moins 50, et là bah ça va durer toute une année. Mais j'y crois à mort, déjà, Shadows of Under Tide, il sera terminé. Pour ce qui est de Miles Edgeworth Investigation, le meilleur spin-off des Ace Attorney, ce sera aussi terminé cette année. Vu que les épisodes en général durent environ 3 heures. Peut-être un peu plus sur la fin, peut-être 4h30 sur la fin, voire le dernier épisode 5h, on ne sait jamais. Qui sera enchaîné directement soit avec Apollo Justice, soit avec autre chose. Il y a de très fortes probabilités que ce soit avec Apollo Justice pour continuer sur les Ace Attorney, de manière à tous les finir. Et après, je ne sais absolument pas ce que je pourrais faire comme jeu. Peut-être, d'autres jeux DS ou d'autres jeux sur d'autres consoles, je ne sais pas. Si vous avez des recommandations, eh bien, je suis preneur. Mais dans tous les cas, je crois bien quelque chose. Ensuite, ça c'était la partie jeux vidéo. Pour ce qui est des vidéos facecam, IRL, tout ça, comme vous le voyez actuellement, les real-time vont continuer. Que ce soit sur les jeux que j'achète sur les périodes, les DVD que j'achète sur les périodes, ou d'autres sujets divers et variés. Il y aura sans doute encore, comme vous l'avez vu il y a quelques jours, un real-time sur les jeux terminés en 2018. Donc ça sera très probable. Ça sera même sûr, en fait. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Les rétros sur les jeux. Ça, bah, peut-être, il y en aura sûrement. Même peut-être en fait parce que de manière générale trouver un jeu, il y a pas mal de choses à dire, c'est assez compliqué puisque c'est surtout du jeu d'action. Et non, faudrait que je trouve un jeu à faire. Il y aura peut-être un rétro ou un court rétro, je ne sais pas. Faudrait que je regarde les jeux que je possède parce que j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vidéo IRL? Eh ben, il y aura les vlogs nuls, hein, les fameux vlogs nuls. Très sûrement qu'il y en aura un ou deux dans l'année. Quand, je ne sais pas, mais c'est très très probable qu'il y en ait. Les vidéos un peu. Les vidéos de convention, ça je voulais en parler. Il y en aura très probablement, alors c'est pas sûr, mais ce sera probable, une sur la ChemoCon de cette année, donc 2018. Spoiler, je suis encore staff là-bas. Voilà, pour ceux qui auraient raté le petit message, je crois que c'était en 2010, je crois que c'était la dernière où j'avais dit ça. Le Dijon Saiten, peut-être que je chopperai une conférence, peut-être que je chopperai des trucs, je ne sais pas encore. Il y a aussi deux, trois autres conventions, des petites conventions qui vont commencer, auxquelles je serai présent en tant que visiteur, ou peut-être que je prendrai des trucs, je ne sais pas. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi, alors ça c'est même pas de la probabilité, c'est de l'imaginaire, c'est au cas où ça serait possible. Une vidéo sur le Stunfest de Rennes, c'est absolument pas certain du tout que ce soit possible, parce que c'est, il me semble, en mars, il me semble que c'est en mai, et moi j'aurais juste y aller pour le week-end voir des gens, parce qu'il y a des gens que je dois voir, hein, des gens avec qui je parle que j'ai jamais vu. Mais ça reste très très improbable car c'est loin. En fait, si vous voulez, c'est à l'autre bout de là où je suis. Il y a au moins 5-6 heures de route. Donc, pas sûr pour le Stunfest. Ça, c'était pour les conventions. Pour ce qui est des trucs beaucoup plus travaillés, c'est-à-dire les avis subjectifs, très sûrement aussi qu'il y en aura un ou deux dans l'année.
Il y en a un en cours que je suis en train d'écrire, ça prend extrêmement son temps parce que j'ai pas la motivation, mais il va sortir cette année, je l'espère. Ce sera pas sur un film, ce sera sur un média que actuellement on n'a plus trop l'habitude de voir et même de regarder, et ça va peut-être en surprendre plus d'un. Il y a aussi une chose que j'aimerais refaire cette année-là, et avec la clinique actuelle, ça sera beaucoup plus simple. Ce serait une autre publicité pour un endroit de Dijon que j'aime beaucoup et qui, je trouve, mérite un peu plus de visibilité. Je n'en dis pas plus parce que c'est encore à l'état de prototype, dirons-nous, parce que j'ai encore rien écrit dessus, j'ai juste l'accord du gérant. Mais peut-être que ça arrivera, je ne sais pas, sans doute au printemps, sans doute en été, quelque part dans l'année. Bref, je ne sais pas quand ça arrive, et puis quand ça arrivera, ça arrivera. Ensuite, j'aimerais un peu parler de moi, parce que j'adore parler de moi, et je pense que ça n'échappera à personne, surtout que sur YouTube, on sait très bien que la vie privée, ça n'existe pas, que les gens veulent tout savoir sur tout le monde. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais être très bref là-dessus. J'ai fini mon année de BTS, youpi! Mais je n'ai pas eu mon BTS à quelques dixièmes de points près, à 0,25 points si vous voulez tout savoir. Ça m'a un peu déçu, je vous l'accorde. Donc du coup, j'essaie quand même, là actuellement, je suis, on va dire, intérimaire, ce qui n'est pas la meilleure situation du monde. Donc ce qui se passe, c'est que si jamais en 2018, je trouve un travail, et ben, du coup, je le garde. Et si ça influe sur le rythme des vidéos, et ben, vous le saurez. Et puis si jamais j'ai le synchro-saint CDI, ce qui serait une merveilleuse chose, la meilleure chose qui pourrait m'arriver cette année, la deuxième meilleure chose qui pourrait m'arriver, c'est de déménager, ce qui fait que ce décor derrière moi, ce décor aéré et ces bruits environnants magnifiques tels les passages de voitures, eh ben ce ne sera plus ça. Ce sera sans doute un intérieur assez petit, assez dégueulasse, avec derrière de la décoration. Je ne sais pas encore. C'est pour le moment dans l'air du potentiel. Et voilà, c'est ce qui pourrait m'arriver de mieux, en gros. J'aimerais finir cette vidéo, qui sera plutôt courte en fait, comparée aux autres, sur un truc que j'avais fait. En gros, je vais vous afficher maintenant les stats YouTube, c'est-à-dire les vues et le nombre d'abonnés enregistré au 1er janvier de 2017, on peut voir que c'était quand même assez faible. Mais si on les compare quand même avec les stats actuelles, c'est-à-dire quelques jours avant la fin d'année, on peut voir quand même qu'il y a eu une certaine évolution. Je ne vais même pas vous cacher que c'est la plus grosse évolution annuel que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé, ce qui est une excellente chose, d'autant que je me suis lancé un petit pari. Hein, en début d'année, je me suis dit, cette année, je vais au moins faire un abonné par mois pour commencer legit, facilement. Et au final, cette année, au bout de 12 mois, 15 personnes de plus se sont abonnées à cette chaîne. Merci à vous, j'espère que ce que je produis vous intéresse, en tout cas. Et c'est très gentil de votre part de vous être abonné. J'espère que l'année prochaine sera pour la chaîne, que la chaîne continuera d'exister et qu'elle produira du contenu plus intéressant et plus diverse. J'espère que je pourrai produire ce contenu plus intéressant et diverse. J'espère que vous serez présents l'année prochaine, que d'autres personnes, je ne sais pas, découvriront cette chaîne. Vous pouvez d'ailleurs faire un max de publicité pour la chaîne, je ne vous en prive pas. C'était l'instant promotionnel, auto-promo. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui regardent les vidéos, toutes les personnes qui commentent les vidéos, toutes les personnes qui partagent, qui likent, bref, qui influent sur les vidéos de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup à vous, merci surtout à ceux qui les regardent. Vous êtes beaucoup. Je n'ai pas le nombre de vues annuelles, mais vous êtes beaucoup. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille, vos amis, ou même tout seul, mais c'est un peu triste. Merci à tous pour cette belle année. Bon jeu à vous et à l'année prochaine.